Bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler encore une fois de la revue Sens Dessous, plus précisément des deux derniers numéros de la revue qui sont donc sortis pour le plus ancien, entre guillemets, hein, en septembre 2022 et pour le plus récent au printemps 2023. Voilà, donc en fait c'était pour faire un point sur cette année scolaire 2022-2023, puisque oui, je raisonne en année scolaire. Puisque je suis prof. Voilà, donc petite parenthèse. Donc sur quoi portaient ces deux derniers numéros? Ben, le plus ancien, donc celui de 2022, portait sur la notion de réparation. Donc réparer, hein, je vous montre, voilà. Réparer, donc on voit toujours le travail absolument fantastique, fabuleux, extraordinaire du peintre Dominique Buteau qui nous a fait donc la couverture du numéro réparé. Et puis pour le plus récent, eh bien il s'agit de enfant. Voilà, donc j'essaie d'enlever ma main. Voilà, donc enfant qui donc lui aussi a été préparé par l'équipe d'auteurs tout à fait formidable et illustré notamment par Dominique Buteau. Voilà. Je vais dire donc un mot d'abord sur réparer, hein, c'est logique, et puis un mot après sur enfant. Donc réparer. Donc évidemment, je le redis parce que bah, c'est pas évident. En fait, la revue Sens Dessous cherche, alors, comme son nom l'indique, j'enlève ma main, à questionner en fait les dessous du réel. Voilà, c'est une ambition qui est assez énorme. Et qui donc, de ce fait, tente de saisir ce qui, dans l'actualité, questionne la réalité. Or, il nous a semblé que la notion de réparation revenait de manière récurrente. Alors, pas seulement en ce qui concerne les voitures et le garage, hein, mais en ce qui concerne en fait une actualité, par exemple, liée à la justice. Hein, on a parlé de justice restauratrice. Est-ce que la notion de crime, est-ce qu'il y a des crimes que peut-on finalement. Y a-t-il des crimes irréparables? Y a-t-il des fautes irréparables? Et que signifie en fait cet appétit de réparation? Est-ce qu'il s'agit simplement. Alors voilà, ce qu'on a trouvé extrêmement intéressant derrière la question de réparation. Alors quand je dis nous, c'est parce qu'on est une équipe. Hein, moi, je suis donc Nadia Taïbi, mais en fait, je suis entourée d'un tas de collaborateurs, enfin, plus précisément de Vincent Grégoire, Serge Sadoua et Catherine Bernard, qui sont vraiment le comité resserré. Mais ensuite, on fait appel à toute une série d'auteurs que je ne vais pas manquer de citer pour construire ensemble une problématique. Et donc là, je reviens sur la problématique de réparation. En fait, l'idée, c'était on se trouve devant un paradoxe, puisqu'il peut sembler que l'idée de réparation soit une idée extrêmement généreuse, d'ailleurs elle l'est, sans doute, au sens où, peut-être au sens un peu d'un héritage chrétien, où en fait on peut toujours revenir sur une faute et tenter de réparer les dommages. Donc, cela veut dire que l'idée de réparation met au centre le dommage causé, met au centre la possibilité pour celui qui a entre guillemets fauté d'une manière ou d'une autre de revenir sur son action, etc. Et donc de recréer du lien. Donc l'idée de réparation, elle invite à penser la possibilité de reconstruire une relation. De reconstruire une relation. En fait, voilà. Ce qui peut sembler tout à fait donc généreux. D'un autre côté, ce qui nous a semblé aussi intéressant, c'est que au contraire, l'idée de réparation semble poser qu'il n'y a pas d'irréparable, que en fait finalement, on peut toujours expliquer, toujours finalement justifier ses actes. Ce qui signifie donc que d'une part, la réparation pose la vulnérabilité des hommes, leur imperfection, etc. Et d'autre part, leur volonté de puissance et leur incapacité finalement à reconnaître qu'il y a de l'irréparable.
Donc voilà, donc ça c'est la problématique générale. Et à partir de là, nous avons donc fait appel à différents auteurs extrêmement plus passionnants les uns que les autres pour traiter cette question, suivant trois domaines, hein, comme d'habitude, philosophique, littérature et esthétique, et sociologie, droit, enfin, donc c'est toujours égal, moi, social et politique. Voilà, bon, je redis mes trois domaines, hein, social et politique, philosophie et littérature et esthétique. Alors, je vais citer les auteurs qui ont participé à ce numéro. Hop, je remets élégamment mes lunettes avant. Voilà. Donc, ont participé à ce numéro. La psychologue Anne Boyer-Labrouche, le philosophe Antoine Cady, Robert Rudet, Alexandre Dumont, Pierre Follet, qui est avec lequel en fait qui est médecin, parce que aussi voilà, en réparation on a aussi parlé du travail d'une association qui est donc dont Pierre Foldès en fait est un des fondateurs, qui en fait s'occupe de réparer le corps des femmes, notamment suite au viol ou suite à l'excision qu'elles ont subi. Donc plus précisément réparer le clitoris en fait, hein. Et alors c'est pareil parce que bah, Pierre Foldès il est chirurgien, il s'occupe de médecine du coup, hein, du corps dans sa dimension la plus prosaïque, et en même temps forcément bah, réparer le clitoris, bah, c'est pas simplement réparer le clitoris, et en fait ça pose une question derrière la question, c'est est-ce qu'on peut réparer une femme finalement, est-ce qu'il suffit d'effacer l'excision pour effacer la trace, pour redonner à la femme sa dignité. Voilà, donc c'est des questions qui sont posées. Je m'arrête pas sur tous les auteurs, hein, je suis désolée. De toute façon, tous seront cités et présentés dans ce qui suit, en fait, hein, la vidéo, dans le commentaire, enfin, dans l'explication qui suit la vidéo. Donc, je continue. Alexandre Jeffen, avec lequel nous avons participé à une réunion, à une émission, l'émission Esprit public sur... Esprit de justice sur France Culture, excusez-moi, sur France Culture, animé par Antoine Garapon. Parce qu'avec Alexandre Jeffen, on a traité de la question de la réparation par la littérature, qui est une question extrêmement traitée au niveau, comment dire, qui est extrêmement d'actualité, hein, pour le dire comme ça. C'est-à-dire, en fait, on se demande si, à partir du moment où on peut faire le récit de soi, eh bien, est-ce qu'on n'est pas dans un acte thérapeutique? Vous voyez? Je pense que vous voyez de quoi je parle. Florian Graton, qui participe assez systématiquement à nos numéros, qui nous a fait une très belle nouvelle. Alors, j'oubliais, Roland Deridet, c'était la playlist, hein. Fabien Jobard, qui est donc un sociologue éminent avec lequel nous avons travaillé à propos, on s'en doute, notamment du maintien de l'ordre. Johan Malinge, philosophe. Elisa Morange, qui a traduit une très belle nouvelle. Yves Morin. Pascal Plat, qui est très connu aussi parce que... Vous connaissez Pascal Plat, hein, bien sûr. Historien du droit, donc extrêmement intéressant de travailler sur la question du droit international, justement, et de la réparation. À cet endroit-là. Donc, que je dise pas de bêtises, j'ai dit historien du droit. Moi, historien. Hein. Voilà. Qui est directeur de l'Institut international de recherche sur la conflictualité. Voilà, parce que je ne veux pas dire de bêtises non plus. Concernant. Qui je n'ai pas bien cité. Yves Morin, je n'ai pas dit qu'il était psychologue. Voilà. Parce que, évidemment, autour de la question de la réparation, on parle aussi de la question. La psychologie au sens le plus pratique, hein, c'est-à-dire je vais chercher donc à travers le récit de moi-même à comprendre les mots qui m'habitent et trouver les mots pour le dire. Oh là là là, bref, je suis en forme. Ensuite, nous avons aussi évoqué, donc j'ai évoqué Elisa Morange, pardon, qui a donc traduit une nouvelle de la Finlandaise Raija Sekinen, sans doute que j'écorche un peu son nom, je suis désolée, qui est décédée depuis mais qui est une très grande... nouvelliste et romancière. Nathalie Seban, avec laquelle j'ai fait un travail très intéressant en entretien autour des Madeleine Sisters, donc qui est irlandiste et qui travaille donc sur la question notamment des violences exercées dans les laveries des Madeleine Sisters.
voyez de quoi je parle. Et voilà, nous avons aussi travaillé avec Philippe Svendra, qui lui a fait un article théorique sur la question de la réparation au sens le plus pratique, c'est-à-dire à l'hôpital, puisqu'il est lui-même cadre infirmier et docteur en philosophie. Mathieu Ferry, pardon, excusez-moi, qui lui est philosophe et qui nous a permis aussi de penser ce concept. Et enfin, David Valla, qui en fait David Valla, qui a écrit un livre autobiographique sur le terrorisme, puisque en fait il se pose la question de la possibilité de revenir sur sa, comment dire, non pas de réparer, mais de vivre en tant que repenti, on peut dire, puisque David Valla a fait partie des personnes incarcérées suite aux terroristes, suite aux attentats terroristes des années 90 à Lyon. Et donc il revient sur cette expérience entre guillemets dans un livre qui s'appelle Terreur de jeunesse, que donc j'ai lu et avec lequel nous avons fait un entretien. Voilà. Bon, j'ai fait une présentation un peu rapide et sûrement brouillonne. De réparer, mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'était absolument passionnant de construire ce numéro. Et donc tous les auteurs que j'ai cités un peu vite, d'ailleurs je m'en excuse, je le répète, hein, seront représentés à la suite de cette présentation. Représentés, présentation, c'est beaucoup de présentations. Mais voilà, donc c'était vraiment un numéro extrêmement intéressant à fabriquer, à construire, à corriger, et j'espère pour vous à lire. Hein, donc je vous encourage à le lire. Alors on le trouve en librairie, pas dans toutes les librairies, parce qu'en fait, comme beaucoup de revues, en fait on n'est pas bien diffusé. Hein, c'est pas que notre revue n'est pas bonne, c'est qu'en fait le marché de la revue c'est extrêmement difficile. Ouais, il y a 4 ou 5 revues qui arrivent à être dans toutes les librairies, hein, je ne vais pas les nommer parce que. Voilà, bah c'est tout simplement parce qu'elles jouissent d'une. Elles ont plus d'argent. Voilà, elles ont plus d'argent. Hein, plus d'argent, plus de réseaux, etc. Mais en fait, nous, ce qui est absolument fantastique, c'est que nous avons en fait la possibilité d'être visibles sur la plateforme de Cairn, ce qui fait que nous sommes bien lus. Mais par contre, voilà, ce à quoi on tient, c'est d'être quand même présent physiquement. Et donc, il y a quand même quelques librairies qui nous soutiennent, et vraiment, je les remercie. Parce que c'est sans elles, sans ces librairies, en fait, on n'existerait pas. On existerait, mais pas physiquement. Enfin, je veux dire, on n'existerait pas concrètement, on ne pourrait pas nous prendre et tout ça, et moi, ça, j'y tiens. Donc, voilà, donc, dans quelques librairies. Dont la liste est aussi inscrite sur le site de la revue Sens Dessous. Hein. Mais à peu près dans toutes les villes de France quand même. Hein. Voilà, on n'est pas non plus. Voilà, pas les villes, pas les villages, les villes. Alors, dernier numéro à présent, Enfant. Donc Enfant, c'est celui qui est donc sorti, dernièrement, voilà, juste avant l'été. Alors pareil, même principe, trois angles, enfin trois angles, trois domaines, hein, social et politique, philosophie, littérature et esthétique. Et donc c'est pareil, donc on s'est dit bah, pourquoi enfant, pourquoi enfant? Parce qu'en fait, voilà, si on prend les dernières années, il y a même pas mal de choses autour de la notion d'enfance qui sont apparues. Notamment tous les débats autour de. Alors je fais soupir, mais c'est pas pour dire que ça m'intéresse pas, mais bon, quand même, tous les débats, enfin, c'est pas non, quand même, oh là là, je m'enfonce. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup entendu parler de la question de la procréation, la question de l'adoption, notamment autour des débats autour de la PMA, la GPA, etc. On a aussi, soi-disant, fait de l'enfance maltraitée, une cause nationale. Bon, moi, j'ai pas trop vu que la situation des enfants avait été spécialement améliorée. On en a parlé aussi des enfants lorsqu'on a évoqué. Alors, concrètement, hein, moi, je vous dis ça parce que je vous explique comment on fait un numéro. C'est-à-dire que concrètement, on a aussi entendu parler d'enfants. Moi, ça m'a beaucoup perturbé. Ces enfants qui étaient nés en Syrie et qui, en fait, du coup, vous savez, des enfants de terroristes, en fait, de femmes, si françaises, bien sûr. En Syrie ou en Irak, et dont on se demandait si c'était pas dangereux
de les faire venir en France pour des raisons de sécurité nationale ou internationale même. Et en fait, moi, ce qui me troublait, enfin, je fais semblant d'être naïve, hein, parce que ça me trouble vraiment, enfin, plutôt ça me révolte, mais je ne suis pas étonnée, en fait. Mais bref, on peut quand même faire semblant d'être étonnée, de voir des tout petits enfants avec, comment l'air surtout pauvre et mal nourri, être supposés des poseurs de bombes. Mais bon, c'est toujours pareil. Bref, tout ça faisant, on s'est dit, bah tiens, quand même, l'enfance, c'est une vraie grande question philosophique. Une question philosophique extrêmement passionnante. Parce que bon, j'enseigne la philosophie, mais enfin, une question politique aussi fondamentale, puisque finalement, hein, on nous rabat les oreilles avec l'idée qu'une société, une société juste, une société démocratique, elle est susceptible bah, de protéger les plus fragiles d'entre nous, donc bah, les enfants, c'est quand même pas en général les plus forts. Voilà, alors pour dire des choses encore gaies, des choses gaies, hein, parce que c'est mon truc, la gaieté, on sait par exemple que l'espérance de vie à la rue a beaucoup baissé, puisque cette année, nous avons à Paris, il y a trois enfants qui sont morts dans la rue quand même, trois enfants, dont un nourrisson. Donc, voilà, tout ça fait que la question de l'enfance, c'est une question tout à fait fondamentale, puisqu'elle nous renvoie à notre capacité en tant que société, en tant qu'adulte, à désigner l'enfant comme enfant. Alors je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait on remarque, hein, c'est pas la peine d'avoir fait des grandes études pour le remarquer, il suffit juste d'être honnête avec soi-même. En fait, il y a des enfants qui sont enfants, c'est-à-dire qui sont traités comme des enfants, qui sont regardés comme des enfants, qui sont protégés comme des enfants, puis il y a des enfants, en fait, qui n'apparaissent pas comme tels, et comme ils ne sont pas non plus des adultes, en fait, c'est assez difficile de savoir comment ils apparaissent, sinon comme des espèces de petites bêtes sauvages et dont il faut se garantir. Alors ça, c'est vieux comme Hérode, hein, Dot, puisque ben, voilà, François Truffaut l'a très bien montré dans Les 400 coups, dans L'argent de poche, il y a quand même des enfants qui ne sont pas spécialement vus comme des enfants, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Donc dans ce numéro, nous avons donc traité cette question fondamentale de l'enfance que nous avons décidé déjà d'appeler enfant, puisque comme je viens de le dire, en fait, l'enfance ne renvoie pas à, n'est pas suffisant, n'est pas un concept suffisamment précis pour rendre compte de la singularité de l'enfant, de son irréductibilité. Voilà, hein, je pourrais employer un concept philosophique un peu plus profond. Alors, ceci étant dit, nous avons fait appel, donc je le disais, enfin comme tout à l'heure d'ailleurs, hein, comme à chaque fois, à des auteurs tout à fait passionnants pour traiter ce numéro. Alors je vais donc les évoquer et je vais donc remettre mes lunettes. Voilà. Donc Laurent Bachelard, qui est philosophe et qui revient sur, qui a un article absolument passionnant sur l'imagination et sur, bah oui, sur la capacité absolument, pourrait dire folle, de l'enfant à construire un réel totalement à l'abri de la réalité. C'est ça qui est paradoxal. Donc, le titre de son article s'appelle, il est très très beau d'ailleurs le titre aussi, il s'appelle À l'enfant la royauté, les puissances de l'imagination. Donc en fait, où finalement, où il montre que prendre soin de l'enfant, c'est prendre soin de son imagination. Un entretien avec le sociologue Bernard Lahire, qui, je vous vous souvenez, en 2021, avait sorti un livre sur l'enfance des inégalités. Alors, ça s'appelait Enfance de classe. Donc, c'est un énorme livre, mais qui se lit très très bien. Où en fait, il constate que les enfants. Enfin voilà, il fait une grande enquête avec 17 sociologues, hein, pas tout seul. L'enquête, elle dure. Alors je regarde un petit peu. Elle dure 2 ans, pardon. Et donc il revient sur des enfants qui sont tous en grande section à l'école maternelle, au même moment, dans la même société, et qui en fait, nous dit-il, ne vivent pas du tout les mêmes réalités. Donc c'est ce questionnement. Cette incapacité à rendre homogène, un peu homogène, sinon égale, les conditions
d'apprentissage des enfants qui dès la maternelle en fait qui est intéressant puisque les enfants sont bien sûr dans une situation d'inégalité sociale et économique avant de rentrer à l'école. Et l'école non seulement ne répare pas pour le coup, mais entérine ces inégalités. Voilà. Mais je vous invite à alors je vous invite à lire cet ouvrage parce que c'est aussi un ouvrage révolté, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de dire ça, il s'agit aussi de le refuser. Voilà. Ensuite, toujours dans cette réflexion, en fait, il y a au moins deux articles hein, qui vont suivre, celui de Michel Beckmann sur la protection de l'enfance et un entretien avec Madame, excusez-moi, Pascal Giravalli sur la naissance des enfants en prison. Voilà, donc ces deux articles renvoient, l'entretien et l'article renvoient à cette situation des enfants qui sont justement complètement livré à l'État, livré à l'institution. Et donc le paradoxe, c'est que... Enfin, le paradoxe. Je ne sais pas si c'est un paradoxe. Mais en tout cas, on peut le déplorer, puisqu'on se dit État-providence, parce que, etc., etc. On s'aperçoit que lorsqu'il s'agit de protéger ceux qui ne sont pas protégés, donc ceux qui sont à protéger, eh ben, c'est quand même un petit peu la catastrophe. Voilà. Ensuite, j'ai fait un très bel entretien, donc je suis très contente avec l'avocate Caroline Mécari sur la question de la GPA. Alors vous verrez l'entretien, en fait, il fait vraiment réfléchir, hein, parce que moi en tout cas, hein, je suis revenue sur certaines idées, et je pense que c'est quand même vachement intéressant de revenir sur ses propres idées. Ensuite, un article très intéressant de Régis Trevenin sur comment, en fait, pourquoi je fais pas ma phrase ? Attends, je reviens. Un article, non pas un entretien, sur la question de la masculinité. C'est-à-dire, on sait, hein, on en a beaucoup parlé, comment en fait on construit des stéréotypes qui font des petites filles. Et bien, on construit aussi des stéréotypes, qui font des petits garçons. Au cas où, on l'aurait pas imaginé. Mais n'empêche que c'est passionnant. C'est passionnant et puis on le dit pas assez. Enfin, moi, je trouve qu'on le dit pas. En fait, on fait comme si les hommes, les garçons, avaient une espèce d'essence. On commence à se dire que les femmes, non. Mais en fait, les garçons non plus. Voilà. Ensuite, on a un super article de Dan Dalsouet sur l'enfant politique. C'est-à-dire jusqu'où l'enfant peut-il être un acteur, un partenaire politique ? Grande question. Donc, on reprend notamment... des figures comme Gavroche, Greta Thunberg, etc., etc., dont j'ai sans doute encore écorché le nom. Et donc, comment la parole de l'enfant peut-elle devenir politique ? Ce qui fait écho, en fait, au problème général de l'enfance, qui est justement le fait que l'enfant ne soit pas un citoyen doté de capacités politiques. Est-ce que pour autant, ça le rend complètement impuissant ? Ensuite, suit deux articles, celui de Salim Mokadem et le mien, sur la raison et sur me concernant l'idée d'enfant sauvage. J'en dis pas plus hein, parce que je suis un peu modeste et pudique, mais vous allez voir, c'est passionnant. Voilà, donc excusez-moi pour ceux que j'ai pas cités, hein, parce qu'il y a quelques auteurs que je ne cite pas, mais vous les découvrirez.